Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est. Je me suis mis en mode. Je sais pas c'est quoi ça. Panthère? Non. Je sais plus. J'ai un trou. Ben, j'ai un trou de mémoire. Hein. Donc, pour tondre l'herbe que j'ai commencé hier et j'ai pas fini. Donc, mon chéri, il est en train, lui, de faire un autre bricolage. Il carrele une pièce. Et comme moi, je vous avais dit que j'allais vous faire un home tour, on va commencer par l'extérieur, évidemment, et vous montrer un petit peu que le confinement ici au Portugal, il est plutôt sympathique. Hein, je n'ai pas à me plaindre. Et je pense à tous ceux qui sont, contrairement à moi, dans la panade. Allez, on est parti. Bon ben là je vous prends en voix off parce qu'il y avait trop de bruit à l'extérieur et du coup c'était pas possible de le faire autrement. Donc là ben, on est sur le devant de la maison. Donc il y a le portail que vous voyez, le portail d'entrée. Ensuite là il y a un petit passage avec les dalles, c'est pour le petit portail quand on est à pied. Et voilà la maison. Que l'on voit quand on est pignon sur rue, quoi. Donc on s'y tient jamais, hein, c'est bizarre, mais on est très rarement devant la maison, hein, c'est plutôt les voitures et puis voilà, les chiens qui sont en général qui font leur petit curieux sur la route. Mais nous, on n'est jamais devant la maison, en fait, on est toujours derrière. Donc là, ben, vous avez des fruitiers devant. Un prunier, un poirier. Là, c'est la salle à manger. La porte du milieu, la porte blanche, c'est un petit sas d'entrée en fait. Et puis sur la gauche, c'est une chambre. Donc allez, c'est parti, on continue la visite. Donc là, ben, je vais prendre le petit chemin. Hein. Donc là, sur la gauche, en bas, vous avez une chambre, une première chambre. Voilà, une première chambre qui est là. C'est plutôt un dortoir pour les enfants qu'une chambre en fait. Dortoir, salle de jeu, voilà. On a mis des lits superposés, un canapé. Là, sur la droite, c'est mon petit. Là où j'ai mis mes plants de tomates. Donc, je vais essayer cette année d'en mettre un peu plus. Et après, on arrive sur l'espace où on se tient quand on est en famille, quand on mange le midi ou autre. Donc, là, sur la droite, vous avez le barbecue. Bon, on s'en est pas servi. Et puis, tout ce mur blanc, là, ben, c'est ce qu'on a peint. Il y a quelques jours, il y a quelques semaines, je ne sais plus. Et là, c'est le devant dans la maison, avec la table en pierre dehors, les bancs. Alors bon, là, il y a du bazar parce que forcément, ben, on est sur l'extérieur, mais avec le temps, c'est pas top. On peut pas se plaindre, on a eu du soleil quand même, mais c'est toujours couvert avec un peu de pluie. Donc du coup pour bricoler dehors, il y a l'humidité, c'est pas top. Donc là, la première fenêtre, c'est la salle à manger, le salon salle à manger quoi. Ensuite, non, où je vais là. Donc ensuite, là où il y a l'escalier, ben, c'est la porte qui donne dans la cuisine. Donc quand on mange dehors, on se fait passer les plats, voilà quoi. C'est un peu chiant, mais bon, ça va, c'est pas violent non plus. Donc voilà, sur le banc, il y a la bâche du bassin d'arrosage. Là, il y a le tracteur. Les sacs que vous voyez, c'est pas des poubelles, c'est les vignes. C'est les serments de vigne que je dois mettre ailleurs.
le volet qui est à peindre, le cadre du volet qui est à peindre. Alors là, ce que je vous montre, c'est notre chambre actuellement. Et ce mur-là, ben, il va falloir passer ben, la sableuse et puis peut-être le repeindre aussi en blanc comme les autres. Là, c'est le compost. Et puis voilà la jardinière en fait. On a fait une jardinière. Et ça, c'est tout ce qu'on a peint. On a mis deux à trois couches selon les endroits. On a fait l'extérieur, on a fait l'intérieur aussi d'un petit du petit sas. Et là, c'est les vignes que j'ai taillées. Il y a quoi ? Il y a, je sais pas, il y a déjà maintenant 2 semaines. Donc voilà notre petit paradis sur terre. Alors comme vous pouvez voir, hein, c'est tout autour, c'est de la montagne. Celui qui n'aime pas la campagne, il peut pas aimer. Hein. Donc là, c'est l'atelier pour monsieur. Donc voilà, là, toutes les vignes, ben, ça a été taillé il y a 2 semaines ou 3 semaines. C'est beaucoup de travail. Donc là, on voit bien le barbecue. Bon, la bâche du bassin d'arrosage qui est là, mais c'est pas grave. Mon tocard de chien avec son ballon, il me fatigue. Il pense qu'à jouer, c'est terrible. Il sait que je parle de lui, il lève les oreilles. Voilà. Donc voilà pour les extérieurs. Donc ça, c'est le côté de la maison qui donne ben, sur le jardin. Il y a un citronnier, un oranger et des mandarines. Ou clémentine, je ne sais pas en fait. Le premier, je ne sais pas si c'est des mandarines ou des clémentines. Le deuxième, là, c'est un oranger. Il n'y a pas gros. Il n'y a pas beaucoup d'oranges. Ah, il y en a, mais pas beaucoup. Et derrière, donc là, il y a un portail. Et derrière, il y a le bassin d'arrosage. Ben, c'était pour arroser les vignes et le potager. Et il y a une piscine au fond qui est en construction. Donc là, vous avez le. Ben, l'atelier et puis après sur la partie que je vous montre là, ça sera l'endroit pour mettre les machines de la piscine. Donc vous voyez, c'est des travaux et puis voilà, regardez ce décor magnifique derrière quoi. C'est juste j'adore. Donc nous, ça fait 10 ans quand même qu'on vient dans la maison familiale en vacances. Et franchement, à chaque fois, ben, on arrange. C'était pas du tout comme ça. On a beaucoup fait déjà. Hein. Mais ça se voit pas parce que voilà. Donc forcément, au début, ben, on a fait encore heureux d'ailleurs, qu'on a fait des choses qui étaient compliquées, on va dire, parce qu'il faut beaucoup de, ben, de gouache. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, on a du mal, on avance moins vite. Hein, on a 10 ans de plus aussi. Donc forcément... pour faire les choses, ça devient compliqué, mais on les fait petit à petit, donc voilà. On aimerait tout avoir en blanc, toute la maison, repeindre tous les volets. L'intérieur, je vais vous le faire aussi, le room tour, et l'intérieur, il est daté, donc il faudrait voilà, apporter de la modernité. Mais franchement, tout ça, c'est beaucoup de temps et beaucoup d'argent aussi, parce qu'il faut acheter les matériaux, et c'est compliqué. Donc pour le moment, ben, quand on a décidé de reprendre la maison, on s'était dit ben, on fera une piscine parce que pour les enfants quand ils viennent à vacances. Et puis voilà, donc là ben, vous me voyez en train de passer la tondeuse parce que le petit tracteur avec les murets ne peut pas monter. Donc du coup, ben, on a une petite tondeuse électrique.
Et puis, ben, je m'y colle. Voilà. Donc, j'espère que ce petit home tour des extérieurs vous aura plu. Pour ma part, ben, j'aime bien parce que ça fait aussi des petits souvenirs. Je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt. Je vais rechercher un petit peu dans mes archives pour essayer de faire un montage à savoir comment c'était avant et comment c'est maintenant. Parce qu'il y a tellement eu de changements qu'on ne se rend pas compte, quoi. On devrait... Mais je pense que c'est pour tout le monde comme ça. On n'est pas les seuls. On a une maison, on prend pas, on prend des photos, mais après on s'en fout. Enfin bref, vous connaissez la chanson, je pense. Donc je vous retrouverai pour un home tour de l'intérieur ce coup-ci. Je vous ferai ça, je pense, la semaine prochaine. Parce que ben, il me faut le temps pour le faire. Et là, tant qu'il fait beau, ben, on est sur les extérieurs. Donc, je ferai pas ça tout de suite. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à liker si vous avez apprécié. Dans tous les cas, je vous retrouve... certainement la semaine prochaine pour la visite de la maison, mais à l'intérieur ce coup-ci. Allez, ciao, ciao !